Alors, on va voir une petite séquence là, très importante, vous allez voir. Pourquoi tu veux... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je vous explique. Il y a Rémi Cotard, le futur marié, qui me dit des choses ici, à l'oreille. Et ça me fait un petit effet comme ça. Alors, les garçons qui m'ont accompagné, c'est... Lève-toi, mon chéri. Il est timide, regardez comme il est timide. C'est François Radowski. Et c'est Baptiste Villa. Voilà. Alors, je peux vous dire, c'est officiel. Et maintenant, je peux vous dire, je suis en train de préparer mon prochain récital. Vous êtes prêts? Et dans votre cas, monsieur le Baptiste Villa, ils sont surtout aussi des professeurs, et ils sont très forts en pédagogie, et ils sont à l'atelier du quartier. L'atelier du quartier, c'est ici dans le 15e, dans le 15e arrondissement, où François est professeur. Non seulement il est professeur, mais il est surtout directeur de cette école un peu spéciale, qui est très familiale. Il y a des cours pour les enfants, des cours pour les adultes, et vous avez ici toute l'équipe de l'atelier de cette année. François enseigne la chorale, il enseigne le piano aux grands et aux petits, et Baptiste, il enseigne la guitare. Voilà, mange la tortilla, mon chéri. Voilà, vous pouvez les applaudir pendant qu'il mange la tortilla. Donc voilà, c'est François et Baptiste qu'on retrouvera tout à l'heure dans l'atelier du quartier. Voilà, alors maintenant une petite séquence un peu spéciale qu'on nous a imposée pour des raisons du CSA. Vas-y, là. Voilà, suivant, s'il vous plaît. Tout de suite, docteur. Il s'agit de M. Trombose. Bonjour, Monsieur Trombose. Qu'est-ce qui vous arrive? Docteur, j'ai un problème. Chaque fois qu'on me contredit, j'explose. C'est-à-dire? Eh bien, à chaque fois que je parle et qu'on corrige ce que je dis, ma tête gonfle instantanément et éclate comme une grosse pastèque. Mm-hmm. Ma vie est un enfer. Je n'ai aucun ami. Pourtant, je suis très social, j'adore parler avec les gens, mais avec une maladie comme ça, il n'y a pas de dialogue possible. Soit on est d'accord avec moi sans condition, soit j'éclate, vous comprenez? Oui, oui. Donc j'ai décidé de venir vous voir, vous êtes mon seul espoir. Mmh. J'ai pris rendez-vous auprès de votre secrétaire, qui est charmante, soit dit en passant. Voilà, docteur. Alors? Et vous avez ça depuis quand? Depuis mardi dernier, mardi 15. Vous voulez dire mardi 16? Bon, vous avez votre carte vitale? Nous allons applaudir le père de Jean-Baptiste, le père de Jean-Baptiste, le père de Jean-Baptiste.